tu veux payer tes cartes PSN et Xbox Live moins cher, va dans la description de la vidéo et clique sur le lien Press Start. C'est un site sécurisé à tarif réduit qui te permettra d'avoir des avantages sur toutes ces cartes et également plusieurs jeux vidéo. Yo tout le monde, c'est Sofiane Le Duc, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler des tactiques perso, des compositions d'équipe de FIFA 20. Cela permettra à certains de comprendre le fonctionnement, de comment configurer sa tactique perso et de la changer en plein match sans avoir besoin de faire pause. Pour le coup, cela va vous permettre de vous améliorer avec votre propre team, votre propre stratégie, votre propre coaching. Et d'ailleurs, comme on parle d'amélioration dans cette vidéo, je vais en profiter pour vous présenter un produit qui pour moi a toute son importance. Voici la nouvelle manette de la marque Trotzmaster, la manette eSwap Pro Controller sous licence officielle PlayStation 4. Je tiens à vous préciser les gars, j'ai testé la manette pendant des semaines, j'avais le choix de dire si oui ou non elle me plaisait, et pour le coup, si je vous en parle en vidéo, c'est que j'ai vraiment kiffé le produit. J'ai aimé la prise en main, et en plus de cela, elle est customisable de A à Z selon les goûts et couleurs de chacun. Voici à quoi elle ressemble. Honnêtement, on peut le voir, c'est quand même un beau produit bien fini. Mais le point fort qui m'a énormément séduit les gars, c'est ça. Le joystick qui se retire comme ceci. Il est aimanté. Hop, je l'enlève. Pareil de l'autre côté, je peux l'enlever. Et là, vous pouvez customiser votre manette. Et de plus, je sais qu'il y en a qui préfèrent les joysticks façon PS4 comme ceci. Et d'autres qui préfèrent le joystick gauche en haut et les flèches directionnelles vers le bas comme la manette Xbox One. Eh bien, tout simple, j'enlève ceci. Voilà, j'ai un petit gadget ici. Je le mets là, je tourne. Je l'enlève. Et là, je place mon joystick du coup en haut comme ceci, comme la manette Xbox One. Et là, je place les flèches directionnelles comme ceci. Et là, on a la même manette, enfin le même style que Xbox One. Et là, c'est parti, on peut jouer les gars. Et vraiment, la prise en main, je vous le dis, est vraiment très bonne. Autre point positif avec cette manette, c'est qu'il n'y a pas de latence. Vous voyez les touches, écoutez le bruit. Vous entendez, on dirait un clic de souris, ce qui veut dire que ça répond instantanément. Vous avez également des touches au dos de la manette qui sont personnalisables. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, il y a 4 touches et celles-ci, vous pouvez les personnaliser comme vous le souhaitez. Concernant les joysticks, ils sont vraiment très souples, ça c'est très agréable. Donc voilà, vu qu'on va parler d'amélioration de tactique perso pour se sentir à l'aise dans le jeu FIFA 20, je pense qu'également avoir une bonne manette est un bonus supplémentaire en tant que joueur pour se sentir vraiment bien à l'aise dans son style de jeu. C'est une manette filaire d'un câble de presque 3 mètres de long, donc au moins vous êtes tranquille et vous avez le meilleur temps de réponse possible en appuyant sur les touches. Elle est compatible, je le rappelle, PS4 et PC. Elle sera commercialisée à partir du mois de novembre et vous pouvez d'ores et déjà la précommander en allant dans la description de la vidéo et cliquer sur le lien du site Trotzmaster. Je tiens également à vous informer qu'il y a une entrée prise jack, c'est peut-être un petit détail mais ça a son importance, au moins vous pouvez continuer à être en chat vocal parti sur PS4. En tout cas, moi les gars, je suis vraiment conquis par le produit et puis moi je la trouve vraiment classe la manette. Allez, à présent passons à la configuration de la tactique perso sur FIFA 20. C'était lors de mon dernier live FUT Champions, beaucoup m'ont demandé les paramètres de ma tactique perso et certains ne comprenaient pas comment je pouvais changer de formation et de composition d'équipe en plein match sans mettre pause. Eh bien voici les explications, j'espère que ça en aidera certains, n'hésitez pas à me lâcher un beau pouce bleu pour le soutien, ça me ferait extrêmement plaisir. Et bon visionnage. Ce qu'il faut savoir les gars, c'est que quand vous êtes sur votre composition d'équipe, pendant que vous allez lancer un match, vous pouvez changer de formation en fait. C'est très simple. Là par exemple, je suis en 4-3-3 avec deux MDC. Si j'appuie L2, la gâchette L2, je vais sur tactique perso. Je clique sur tactique perso. Donc là, voici ma tactique perso. Comme je vous l'ai dit, je suis en équilibré, en largeur avec 5 barres. Profondeur, long ballon parce que j'aime bien qu'il y ait des appels dans le dos de la défense. Corner, 2 barres, coup franc, 2 barres. Et merci pour le follow, Johninho. Ensuite, il y a le dispositif, il est là. Donc c'est le 4-3-3-3 avec les deux MDC. Les instructions dans le dos de la défense pour le BU. Les ailiers, pareil, dans le dos de la défense. Mais surtout, le BU, pour ne pas le retrouver des fois sur un poste ailier gauche ou ailier droit, faut le laisser vraiment dans l'axe. Comme ça, quand vous arrivez avec un ailier, vous pouvez combiner. Et du coup, je lui ai mis rester axial. Voilà, ça c'est important déjà de le savoir. Le numéro 10, je touche à rien. Le
MDC de droite, j'ai mis couper les lignes de passe, rester derrière l'attaque, couvrir les ailes. Tandis que l'autre, vu que c'est N'Golo Kanté, il est vraiment très très fort les gars dans le jeu, le MDC N'Golo Kanté, j'ai mis couper les lignes de passe, rester derrière en attaque et couvrir centre. Comme ça, N'Golo Kanté, il reste au centre. Et Ndombele, alors Ndombele, franchement, il est faible. C'est très faible. C'était la carte gratuite OTW. J'ai quand même voulu la faire parce que voilà, elle était gratuite. Et puis si jamais il fait des bons matchs avec Tottenham cette année, elle va up. Donc voilà, c'était en clash équipe. Le DD, restez derrière l'attaque. DC, j'y touche pas. Le DG, restez derrière l'attaque. Voilà, je commence le match comme ça. Maintenant, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que en cours de match, quand vous êtes à l'engagement dès la première minute, vous pouvez changer votre dispositif. Comment faire? Vous voyez, tout en haut à gauche, il y a marqué L2, modifier plan de jeu. J'appuie L2, et là, vous avez ultra def, défensif, offensif, ultra offensif. Et bien là, ça, vous pouvez le déclencher avec les petites touches. Les petites touches, enfin la croix directionnelle. À gauche pour défensif, à droite pour offensif. Et vous voyez, j'ai prédéfini des compos. Par exemple, celle-ci. Donc quand je me mets en défensif, je vais être en 4-2-3 directement. Et de plus, ce que vous pouvez faire, vous appuyez triangle, voilà. Et là, vous remettez les joueurs au poste que vous voulez. Comme ça, pendant que vous serez en match, vous pouvez changer la compo sans faire start, pause, changer les joueurs, etc. Juste vous mettez un coup de flèche vers la gauche, vous passez en défensif. Et là, après, voilà, ça vous remet la compo que vous voulez. Pareil, après, vous pouvez mettre les instructions que vous voulez. Donc, pour cette compo en défensif, en 4-2-3-1, vous mettez ce que vous voulez. Donc, pareil, moi, je suis resté sur reste axial, dans le dos de la défense. Voilà, quasiment pareil que le 4-3-3. Et maintenant, en refaisant L2, tactique perso, L2 encore, du coup, vous pouvez passer sur l'offensif. Et l'offensif, là, moi, j'avais mis un 4-4-2, voilà, pour tout vous dire, voilà, le 4-4-2-2, parce que, voilà, j'aime bien avoir les deux BU devant avec les ailiers qui vont venir, enfin, les MG et MD qui vont venir un peu les aider. Les instructions, pareil, moi, j'ai mis dans le dos de la défense pour le BU, dans le dos de la défense pour le deuxième. Là, c'est Ndombele qui se retrouve à droite. Mais j'ai Gareth Bale sur le banc, donc du coup, après, je fais rentrer Gareth Bale, voilà, pour faire le petit échange. Et ensuite, voilà, après les MDC, bon, bah, pareil, hein, couper ligne de passe, rester derrière en attaque, et j'ai mis couvrir centre, parce que du coup, là, j'ai quand même deux milieux, un gauche, un droit, donc j'ai pas besoin qu'il couvre les ailes. Et pareil pour N'Golo Kanté, couvrir centre, couper ligne de passe, rester derrière en attaque. Mendy, le DG, rester derrière en attaque. Et ensuite, le DD, Nelson Semedo, rester derrière en attaque, les gars. Après, les rôles, bon, bah, voilà, pour tirer des pénalties, tout ça, voilà. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous pouvez même changer de tactique perso pour chaque compo, les gars. Pour chaque compo, vous pouvez mettre une tactique perso. Au moins, voilà, après, vous pouvez ajuster en cours de match. Mais c'est une très bonne chose de configurer, de paramétrer toute son équipe comme ceci. Comme ça, en plein match, et bah, vous appuyez juste la croix directionnelle à droite pour passer en défensif. Donc, moi, c'est paramétré sur 4-2-3-1. Et vous appuyez... vous appuyez à gauche pour le 4-2-3-1, pour moi, en défensif. Et si vous appuyez à droite, on passe en composition offensif, en voilà 4-4-2, tout simplement. Et après, vous pouvez mettre, par exemple, 3-5-2, hein, ça ne vous empêche pas. Il y a même aussi la ultra-off, il y a la ultra-def. Voilà, chacun choisit comme il veut. Ça vous permet, en cours de match, si vous êtes mené au score et tout, pas besoin de mettre pause ou quoi que ce soit, vous appuyez un coup de croix à gauche ou à droite, et puis ça va vous changer tout ça. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Voilà, ce mini petit tuto pendant ce live Fut Champions qu'on a fait. J'ai quand même fait pas mal de matchs. J'ai enchaîné quand même pas mal de matchs. J'espère que ce petit tuto, voilà, sur les compositions des clips, tactiques perso, pourra vous aider. N'hésitez pas à me lâcher un beau pouce bleu pour le soutien, ça me fera extrêmement plaisir. Voilà, j'espère que mes explications sur la configuration d'une tactique perso ainsi que les instructions joueurs sur le jeu FIFA 20 pourront en aider certains. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater de la chaîne. Et également, si tu n'es pas follow à ma chaîne Twitch, je t'invite à le faire. Le lien est dans la description de cette vidéo. On a déjà dépassé les 3000 followers. Merci à vous. C'est toujours un régal, les lives sur Twitch. Moi, je vais retourner tâter la bête. En tout cas, merci du soutien. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Active également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si tu veux devenir sub à ma chaîne, clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir.